avec qui tu as parlé. Bonjour chers abonnés, nous sommes en compagnie de Manou Jolie. Bonjour Manou Jolie. Bonjour. Que se passe-t-il exactement? Je voudrais d'abord vous dire merci pour le moment que vous m'accordez. Mais ça existe parce que... Ça fait près de 5 mois que je suis là. 5 mois. Je suis rentrée du Maroc. J'étais allée me faire soigner depuis... J'ai fait près de 8 à 9 mois au Maroc. Et j'ai été malade depuis 2 ans. Depuis 2 ans. D'accord. C'est un problème de surpoids qui joue sur mon cœur. Qui a fait que je suis allée au Maroc me faire soigner. Et je suis rentrée au pays. Il y a eu des gens qui sont sollicités. Excusez-moi pour les gens qui ont quand même participé à ma guérison. Quand je suis revenue, je n'avais plus rien. Donc, il fallait que je reprenne mes activités. Alors, j'ai commencé à appeler des collègues, des amis, certains qui ne vivent pas ici, qui ont pu m'aider à m'installer dans un studio. J'avais une amie qui vivait là. Qui sont ces collègues? C'est des collègues artistes? Non, quand je dis amis, ils ne sont pas d'ici. Hein. Okay, okay. Ils sont à l'extérieur, des gens qui aiment bien ce que je fais, okay. Qui me soutiennent du mieux qu'ils peuvent, même d'autres qui sont habitués ici. Mais mes collègues, ces gens viennent me rendre visite, c'est tout. Alors, ah, Manou, bonne arrivée et tout. Et ces personnes qui me connaissent véritablement, à qui je peux vraiment parler de manière intime, parce que ce n'est pas tout le temps que tu as venu parler de tes problèmes. Alors, ces personnes-là, qui m'aidaient de temps en temps à pouvoir m'installer et tout, j'ai pris un studio. Et comme j'ai appris la couture sur l'étage, j'ai commencé à coudre un peu. Le temps que je puisse trouver des gombos, comme on dit dans notre jardin, j'ai appelé des gens qui sont dans le milieu. J'ai dit, ah, si vous avez des tournages, pensez à moi. J'ai appelé Maman Delta, elle m'a dit, elle va bientôt être au tournage, elle va m'appeler. J'ai dit, ok. Et c'est succédé tous ces décès. Vous savez ce qui a fait que ça a retardé un peu. Je dis, ah maman, sincèrement, je suis rentrée là. Moi, c'est plus à cause de toi parce que toi, tu m'as ouvert les portes. Il m'a dit, ça va aller. Donc, je gérais comme ça. Et ma copine avec laquelle j'étais, elle est partie. Donc, elle m'a dit, ah maman, si tu veux rester dans la maison. Je vais te laisser là, mais il faut rembourser ce que moi j'ai dépensé. J'ai dit, c'est normal. Et elle vendait ses meubles, tout ça. Donc, à chaque fois quand je travaille, je paye. Donc, j'ai pu évacuer ce que je lui devais. Et j'ai continué à appeler. Je suis allée même à voir des personnalités. Quelle personnalité? J'avais rencontré le ministre Mamadou Touré à Livoire. Il allait soutenir le club d'Égypte, faisait le spectacle là. Je l'ai vu, j'ai vu le ministre Siandou du tourisme et aussi le ministre Amadou Koné du transport. Donc je leur ai dit, ah monsieur le ministre, viens passer vous voir parce que je viens d'arriver, il faut que je reprenne mes activités. Ils m'ont dit, passe nous voir. Il y a un même qui m'a donné son numéro de téléphone. Quand j'appelle, on ne décroche pas. J'appelle, on ne décroche pas. Je suis allée même à leur bureau pour appeler les secrétariats pour demander si une certaine Manou Jolie n'a pas appelé. J'ai appelé leur bureau, leur secrétariat. Je me suis même déplacée
une artiste que je suis, je sais que je suis quand même connue dans mon pays. Et justement, une artiste demande une audience, c'est par rapport à quelque chose. Voilà, donc j'ai pas reçu de retour. J'étais frustrée, blessée. Je dis pourquoi? Je connais mon travail. Et je n'ai pas tout le temps demandé, ça, mais c'est gênant. À la longue, les gens vont dire, ah, elle est toujours laide, elle est toujours laide. Mais il faut bien que quelqu'un t'ouvre les portes et que tu puisses t'en sortir. Quelqu'un qui vient 8 mois, toi-même, tu fais 8 mois dehors de ton pays, tu rentres sans ressources, tu fais comment? Tu t'en sors comment? Donc je tape les portes pour je fais fil. Je chante. Je suis allé même faire un dernier single avec un de mes petits qui est arrangeur. Il avait mais il fait le son pour toi. Au moins ça te permet de bouger un peu, aller chercher un peu. J'ai appelé même Willy Dombo. J'ai dit Willy, ah, j'ai fait un son, faut m'aider pour le clip. Parce que tu demandes clip 400 000, 500 000, je vais enlever ça où? Pour loger même c'est dû. Donc je ne sais pas, c'est pas plus de 500 000 enlever l'argent. Donc c'est ces personnalités-là que j'essaie d'appeler pour moi, chacun va me donner un peu. J'ai réuni pour moi, même pas un petit magasin. Fais ma couture là-bas. Et puis, de temps en temps, quand on m'appelle, il y a des gombos, je peux partir. Mais j'ai pas eu de retour. Justement, Manon Jolie, on vous connaît en tant que grande actrice de Côte d'Ivoire. Vous faites partie des plus grandes actrices de la Côte d'Ivoire. Vous êtes très connue. Comment se fait-il qu'une si grande actrice n'est pas de manager pour gérer sa carrière ou autre? Comment ça se fait? Quand je suis arrivée, comme je l'avais dit tantôt, quand je n'étais pas au pays, j'avais personne pour gérer ma carrière derrière moi. Quand je suis arrivée, j'ai un de mes petits avec qui je travaillais depuis. C'est lui qui m'est resté fidèle. Donc c'est lui qui, de temps en temps, il court ici, il rentre ici, il appelle un peu, à un moment, viens au moins, t'es à l'anniversaire ici. Un mariage ici, je vais 20 000 tonnes, une sirène, ou même là, ça peut payer maison. T'as budget ici. Si tu n'as pas de vrai spectacle. Dernièrement, mes mal l'Ouest faisait son événement là, j'ai appelé. Je l'ai vu un moulin, il a appelé le moulin, il dit mettez-moi dans l'événement. Même si même il y a avoir un peu là, ça peut envoyer beaucoup. Si moi, vous m'avez mis une somme dans ma main là, je peux fructifier ça. Je ne suis pas paresseuse. Je cours. Et ouvrez-moi les portes, mais pas tout est fermé, tout est serré, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas de, il y a pas eu de conflit auparavant entre vous? J'ai jamais eu de conflit avec qui que ce soit. J'ai jamais eu de conflit avec qui que ce soit. Bon, peut-être c'est ma franchise qui fait que les gens peut-être ne supportent pas. Parce que moi, je dis ce qui est vrai. Je ne suis pas une fausse personne, je suis pas, comme je dis, je ne suis pas un faux cul. Ce que je ressens. Je viens dire, peut-être je ne sais pas dire de la manière, j'ai ma manière moi de m'exprimer. Je suis quelqu'un de très émotif. Et sur le champ, peut-être il peut m'énerver, mais après quand je me calme, pour tous ceux qui me connaissent véritablement, qui m'ont fréquenté, savent comment je suis peut-être impulsif et je peux m'énerver. Mais je suis quelqu'un de très calme. Tu peux me faire quelque chose et dire, bon, c'est pas grave. Ça n'a pas vraiment touché mon cœur, ou m'énerver là. Je peux passer dessus. Pas une mais est-ce qu'il y a eu, il y a pas eu de conflit récent avec un artiste ou un collègue ou quelqu'un qui est un promoteur? J'ai pas eu de conflit en tant que tel. Moi quand j'arrive là, je les appelle en tant que tel, en tant qu'artiste qui cherche un travail. Vous comprenez? Bon, peut-être je suppose que peut-être dans mes émissions précédentes où j'ai dit est-ce que l'artiste mérite pas son salaire? Un artiste qui va faire un film a le droit d'avoir au moins un bon cachet qui lui permettra de mieux vivre. Vous voyez en Europe ou au Ghana ou au Nigeria, des artistes vivent de leur art. Mais en Côte d'Ivoire ici, il y a beaucoup qui ne vivent pas de leur art. Il y a des talents mais qui sont cachés, qui ne veulent pas se montrer. Vous comprenez un peu? Moi peut-être je suis quelqu'un qui je m'expose pour les autres. On me flagelle pour les autres. C'est un combat. Aujourd'hui, je vois les gens qui me suivent sur les réseaux, qui me parlent mal, qui me vilipendent. Je pense sur moi, j'endosse. Parce que je me dis, c'est une cause noble. Être artiste, là, c'est pas une injure. C'est l'œuvre de l'esprit. J'ai au moins 10 scénarios que j'ai écrits.
Vous savez comment écrire un scénario, c'est tu travailles ton esprit. Qui sont là, qui n'ont pas de finances. On va même voler des scénarios qui ont enrichi des gens aujourd'hui. Combien de séries déjà prêtes? J'ai fait une série de 26 épisodes qui est déjà finie. Mais je peux même pas aller retirer mon scénario parce que mon film. Parce que j'ai pas les moyens. Tourné. J'ai fini de tourner. Et il faut combien pour le Dieu m'a demandé 200 000. J'ai dit, actuellement, je viens d'arriver à ces choses. C'est mon fils. Un peu, il a été décalé. Si j'ai un peu, je te donne. Dernièrement, je l'ai appelé. Dit, comme actuellement, les gens sont en train de prendre des films. Tu vas pas me donner mon film. Je vais aller présenter. S'ils ont pris l'argent qu'ils vont me donner, je vais te donner. Il me dit, lui aussi, là, ses loyers en retard. Il a comme ça, il peut pas. J'ai dit, donc, le travail est fini. Même tous les acteurs m'appellent. Mais nous, on a fini un travail, mais ça, on voit pas la télé. Pourquoi? J'ai dit, voilà, le projet est bloqué. J'ai pas d'argent. Donc, il faut quelqu'un pour acheter la série. Les chaînes, même j'ai même Live Magazine, c'est Live TV, non ouais. J'ai appelé le responsable, j'ai dit, j'ai des séries que j'ai tournées avec des jeunes. Je vais vous présenter. Au moins, si vous payez là, ça peut m'aider à vivre de mon art. C'est ce que je connais, je ne connais pas d'autre chose. J'ai l'âge de 10 ans, j'ai fait la danse, aujourd'hui je suis dans la musique, dans le cinéma. Vous comprenez un peu. Mais quand les gens ne peuvent pas t'aider, et puis au lieu de ça, ils vont venir t'enfoncer, mais te détruire. Là, je ne suis pas d'accord. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, je suis en train de faire un combat pour tous ces artistes qui n'arrivent pas à sortir, qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils vivent exactement dans leur maison. Il y a beaucoup qui doivent comme moi, mais ils n'arrivent pas à venir parler. Moi, je suis venu parler de mon cas parce que je souffre. Je me suis caché jusqu'à quand j'ai dit, je vais me cacher là-haut. Est-ce que c'est la solution? Vous comprenez? Ma santé est fragile, mais j'arrive à travailler. Le médecin m'a dit, je peux travailler, mais de ne pas abuser de ma santé. Vous voyez, tous ces médicaments-là. Tout ça, je dois les prendre par jour. Tout ça, je dois prendre tous ces médicaments par jour. Je dois prendre tous ces médicaments. Un être humain, je suis condamné. Il y a combien de médicaments en tout? Il y a au moins une dizaine ou une quinzaine. Je peux même pas. Je pense chacun comme ça, par jour, pour que je puisse me sentir bien. Actuellement, même là, voilà mon ordonnance. Je dois renouveler mes médicaments. J'ai pas l'argent. J'ai dit à mes amis, j'ai dit, ce que vous pouvez m'envoyer, vous m'envoyez. C'est que d'autres vont m'envoyer 10 000, 15 000, 20 000. J'arrive, vous voyez que c'est coché. Ce que j'arrive à payer, je coche. Il y a d'autres, on me dit 6 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes. Voilà. Ce n'est pas la signature de mon médecin qui est là. Vous pensez que moi, je vais venir m'amuser ma vie. Mais les gens, certains internautes disent que votre vidéo d'hier était un montage. Pour en venir à la vidéo même. Vous savez, depuis que je vivais mon problème, là, j'ai appelé, comme je l'ai dit, j'ai appelé certaines personnes à l'aide. Et ce jour-là, moi, je suis allé faire une course à la boutique. Je voulais appeler même quelqu'un qui m'avait promis de l'argent. Je suis allé à la boutique, je suis revenu. Le gars me dit, madame, votre temps est passé. Votre délai est passé. Il dit, oui, je sais. Mais je vais payer. Donc, les jeunes me filmaient. J'ai dit, arrête de me filmer. J'ai même tapé, même si j'ai dit arrêtez de me filmer. Vous me connaissez pour me filmer. Vous comprenez un peu. Et c'est quand je sortais, il y a une de mes petites qui a dit la vieille mère. Et monsieur, faut la laisser au moins rentrer prendre ses affaires. C'est elle qui est intervenue pour qu'elle puisse au moins prendre mon sac et puis les trucs. Parce que le gars dit madame, le délai est passé. Et que le propriétaire dit il faut qu'on règle ça. Vous comprenez. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, venez à la source pour savoir de quoi il s'agit. Et le geste que j'ai fait là, j'ai fait comme ça, j'ai dit arrête, faut couper. Pourquoi tu es en train de me filmer? En fait, si vous voyez le geste, j'étais, il ne savait pas qu'il continuait à me filmer, mais arrête. Faire un geste comme ça là, ça veut, au cinéma, ça dit arrête, coupe. Mais ça ne veut pas dire que j'étais en train de dire aux gens, aux gars, filme-moi. Vous comprenez un peu? Mais si tel que ce que j'ai fait là, c'est sûr, ça vous me jugez. Mais le problème clé qui est là, ça ne vous intéresse pas. Le problème que pour... Comme j'ai dit, Dieu merci, mais le jeune a filmé qu'il a balancé.
Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais même pas pu supporter mes problèmes, je serais moins dans ma maison. Ou peut-être dehors, tellement j'ai le problème, une voiture pourrait me cogner. Parce que c'était à ce stade où j'étais arrivé. Vous comprenez? Admettons même que ce soit un montant. Donc vous attendez que les artistes atteignent un degré de non-retour pour savoir qu'ils ont des problèmes. Vous comprenez? Moi, Eloge, c'est un ami, c'est un frère. Je peux dire Eloge, on voit quelqu'un venir, voilà la situation que je traverse. Mais comment c'est arrivé là-bas là? C'est Dieu ce qui sait. Pourquoi c'est en train de prendre cette ampleur là? C'est Dieu ce qui sait. Hier, j'étais obligé d'appeler le secrétariat du ministre pour pleurer. Quel ministre? Le ministre Touré, El Mamadou. J'ai appelé son secrétariat. Son chargé de communication m'a appelé. Il dit, Manou, la secrétaire vient de me dire que ça ne va pas. C'est là, il m'a appelé pour dire, bon, il va rendre compte au ministre pour voir comment on peut t'aider. Monsieur, ça ne me fait pas plaisir de toujours tendre la main. Je suis une mère de famille. Mon fils va à l'école. Il y a des gens qui comptent sur moi. Ma famille me regarde. Ça ne me fait pas plaisir d'être toujours à la une pour des mauvaises choses. Je veux être à la une pour qu'on dise Manou a eu un trophée. Ou Manou a joué dans tel film. Et puis elle a eu tel. Même j'ai eu le trophée de l'humour. Personne n'a parlé de ça. On a dit mon collègue Budosa est décédé. Mais combien ce monsieur n'a pas souffert dans ce milieu aussi? Quand il était là, c'est lui qui me soutenait. Quand ça va pas, il me dit, Manou, ça va aller. Un jour, là, Dieu va avoir pitié de nous, ça va aller. Vous pensez que ça fait plaisir qu'une artiste soit toujours là, en train de mendier sur les réseaux? C'est pas une vie. Aujourd'hui, mon fils ne veut même pas aller à l'école parce qu'il dit, il ne supporte pas que les gens parlent de sa maman. Il dit, maman, je ne veux plus aller à l'école. Je veux travailler pour toi. Tu vas te rappeler plus que tu as des problèmes. Pourquoi toujours les gens parlent mal de toi? Est-ce que le travail artiste, que être devenu artiste, c'est une punition ou bien? Toujours on parle de toi, je ne veux plus aller à l'école. Je dis, faut pas faire ça, bébé. Il faut aller à l'école. Si demain tu travailles bien, tu pourras prendre soin de moi. On ne peut pas jouer avec la vie des gens. Hein? Je vois. Le commentaire de M. Hassan Hayek. Demandez à Hassan Hayek si je ne suis pas parti. La première personne que je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je suis allée chez Hassan Hayek. Même quand je suis tombée malade, j'ai appelé Hassan Hayek. Il a dit, papa, voilà, je suis malade, il faut m'aider. En ce moment, le pasteur Wilfried avait fait une vidéo pour dire qu'il allait m'aider, il allait. Vraiment, le monsieur, je le remercie. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, nos relations se sont peut-être ternies d'une manière. Mais il a pris l'initiative de dire qu'il va faire une vidéo pour m'aider. Et quand il a fait la vidéo, les gens ont commencé à réagir. J'ai même appelé à ça. J'ai dit, papa, ça. Voilà ma situation. Il m'a dit, on regarde d'abord. Regarde ce que le pasteur va faire. Si ça avance, on va faire. On va voir comment t'aider. Après, il m'a dit, mais le pasteur, il fait. Il a dit, non, pour l'instant, il ne m'a rien fait. Donc, je suis partie au Maroc. C'est de là-bas que le pasteur Wilfried a pu réagir pour m'envoyer. Et quand je suis rentrée, je suis partie voir Hassan. Il a dit, voilà, je suis rentrée. Mais j'ai me débrouiller un peu pour faire mes t-shirts, tout et tout. Donc, il m'a fait une publicité. Ce jour, j'étais contente. J'ai dit, tu m'as fait une publicité. Les gens vont m'appeler pour que mes trucs soient un peu. Je parle toujours avec lui. Il regarde cette vidéo en ce moment. Il est connecté, okay. Il regarde cette vidéo. Quel est le message que tu peux lui envoyer? Ce que je peux. En fait, je suis un peu blessée dans mon âme par rapport à ça. Hier même, je l'ai appelé. Je lui ai expliqué le problème de la vidéo. Que voilà comment ça s'est passé. Il ne peut pas prendre une capture. Me juger sur une capture de faim où j'ai fait un geste pour dire que j'ai dit ça à la personne d'arrêter. Le geste d'arrêter, je lui ai expliqué pourquoi j'ai fait le geste, parce qu'il continue à me filmer. Vous comprenez? Et quand tu te vas mettre sur ta page, que voilà, que tu fais un commentaire, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ou bien il veut que les gens pensent quoi de moi? Je ne sais pas. Il veut que les gens pensent quoi de moi? Parce qu'il a beaucoup suivi. Moi, je ne sais même pas s'il y a combien de followers qui vont me suivre. Mais c'est fait direct tout de suite là. Il n'y a personne qui va me suivre. Parce que je me dis, je suis artiste, c'est vrai. Mais
Chacun a son truc, il gère son. On dit les blogueurs inspirants, mais je sais pas quoi. Chacun gère son truc. Tu peux m'appeler à Manou. Demandez-le si je ne lui ai pas demandé de l'aide. Même quand mon directeur fait la rentrée de mon fils, je lui ai dit papa, ça. Ah, ils ont, mon fils n'a pas été orienté dans son école, je dois payer que 350 000. J'ai dit, ah, et comme c'est comme ça, je n'ai pas l'argent, qui reste au lycée? Soit mon fils a toujours été dans l'école privée quand je pouvais payer. Mais où je suis là, je ne peux pas payer. Voilà, mais je dois maison, je ne sais même pas comment m'en sortir. Facture de l'eau courante, tout est sur ma tête. Hein? Il peut au moins m'appeler, ah, Manou, voilà, voilà, j'ai vu ton problème là, voilà, mais tu ne peux pas aller m'exposer. Comme quoi, je sais, c'est une, je sais pas quoi, je sais pas quel mot il a employé. C'est méchant. C'est méchant. Si tu peux pas aider quelqu'un, là, faut pas venir le dénigrer, faut pas venir blesser la personne. Moi, je suis pas une mauvaise personne. Il me connaît. Quand il a eu besoin de moi pour faire son film, je suis venu, j'ai fait mon travail, je suis parti. À chaque fois que j'ai eu besoin de lui, quand je dis, mais je vais faire un événement, papa, viens, je t'invite. Mais comme ça, il le sait. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Mais quand j'ai vu la capture que les gens m'envoyaient, j'ai eu mal au cœur, j'ai pleuré depuis le matin, je ne fais que pleurer. Attention à monter. Là, mais je finis avec vous, je mange, je vous mets. C'est parce qu'il m'a dit de venir. Je lui dis, je ne me sens pas bien, je commence à avoir des céphalées. Pourquoi attendre toujours qu'il y ait un désespoir pour réagir au problème des artistes? Aujourd'hui, c'est moi aussi flagellé. Je suis insulté. Je suis traité de tout. J'assume. Pour ceux qui ne veulent pas sortir pour dire la réalité que nous, les artistes, nous vivons. Aujourd'hui, je parle au président de la République. Je parle au ministère, au nom du ministère de tutelle. Créer des voies pour que les artistes puissent vraiment s'en sortir. Les artistes aujourd'hui ne peuvent pas se nourrir, ne peuvent pas payer ça, mais ne peuvent pas se déplacer. Pour ceux qui ont réussi déjà là, eux, ils sont dans un clan. Ça mange entre eux. Mais nous qui sommes en bas, on se cherche là. Il n'y a aucun soutien. On ne se soutient pas. Les gens aujourd'hui, là, ils font des vidéos pour chercher nous. Ou bien ils font des posts ou bien des buzz. Moi, je ne suis pas quelqu'un de buzz. Même les histoires des réseaux, je ne maîtrise pas. Quand je me mets comme ça, c'est pour venir parler de quelque chose de sérieux. Mais quand tu fais une vidéo pour parler des sujets touchants, depuis que je suis arrivé, je ne fais que parler des problèmes des artistes. Je ne fais que dire, voilà ce qu'on vit, voilà ce qu'on vit, voilà ce qu'on vit. D'autres n'ont pas le courage de parler. Mais c'est moi, je suis toujours, quand je me mets devant là, c'est pour certains qui sont derrière. Peut-être que le combat que je fais aujourd'hui, vous ne voyez pas l'ampleur. Mais c'est demain, vous allez dire, quand je ne serai plus là, vous allez dire, ah maman, elle s'est battue pour nous. Elle s'est battue pour les droits des artistes. On vit mal. On vit dans des conditions difficiles. Parce qu'aujourd'hui, un artiste, tu as oublié de faire Jean-Jean pour qu'on te regarde. Tu prends un taxi pour aller à une cérémonie, on ne te regarde pas. Parce que ce que tu peux faire, tu vas aller louer une voiture. 300 000, 400 000, alors que tu ne peux pas payer. Moi, je ne suis pas dans ce genre de choses. Je ne suis pas dans ce genre de... Je ne peux pas mentir aux gens. Si même si on dit le réseau, c'est pour venir se donner, je vais montrer aux gens que oui, je suis ceci. Je ne peux pas montrer ce que je ne suis pas. Si je souffre, je dis je souffre. Si je suis bien, je dis je suis bien. Aujourd'hui, j'ai perdu mon sourire. J'ai perdu ma joie de vivre. Je n'arrive même pas à travailler. Je n'arrive pas à travailler. Vous comprenez un peu, je n'arrive pas à travailler. Sa personnalité aujourd'hui là, quand on va vers vous là, essayez de nous aider. Essayez de nous aider, n'aidez pas dans les trucs médiocres ou les gens de buzz. Non, on n'est pas dans ça, nous on a un travail, on a un métier. Quand on sort de l'étranger, on sort au nom de la Côte d'Ivoire. Moi j'étais allé au Maroc à cause du fait que je venais de la Côte d'Ivoire. On voit comment les médecins m'ont pris. Pourquoi c'est Dieu, on doit nous considérer, puis dans notre propre pays, on ne nous considère pas. Et bien, c'est des gens qui sont choisis, qui sont dans une logique, et puis et ça continue. Papa, ça n'a rien que je suis déçu de toi. Hein. Je suis déçu de toi. Franchement, là, tout ce que j'ai vu là, que ce soit buzz, que ce soit la réalité, que ce soit, c'est pas comme ça que tu devais réagir. C'est pas comme ça que tu devais réagir. Tu me connais, tu me penses, c'est pas une bosse. Tu pourrais m'appeler Manou. Ah, j'ai vu un truc là, mais c'est moi qui t'ai appelé pour te dire voilà, voilà, voilà. J'ai vu ton commentaire, ça m'a touché. Quand vous voulez aider là, aider de bon cœur. Mais ne venez pas encore amplifier, venez mettre encore du, du,
du sable, ben venez gâter là, tout le monde. Ça, je ne gagne rien à venir exposer ma vie. Je ne gagne rien à venir exposer ma vie. Peut-être que j'ai pris le risque. Les gens m'ont filmé et puis ils ont balancé. C'est Dieu seul qui sait. Dieu seul sait pourquoi c'est passé par cette voie. Mais il y a beaucoup d'artistes qui n'arrivent pas à même parler de leurs problèmes. Ils n'arrivent pas à parler de leurs problèmes. Pensez que je dors chez ma copine, ça me fait plaisir. Elle aussi, elle a ses problèmes, elle a sa famille. Mais elle était obligée de me recueillir. Mon fils est obligé de dormir chez son père. Je ne peux pas expliquer tout ça à ma famille. Ils vont m'appeler, moi, nous, on a vu, il y a quoi. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Sincèrement, je suis fatiguée. Si on ne peut plus vivre de son âme, c'est que c'est la mort qui reste. Il y a des moments, il a dit à Dieu, pourquoi tu m'as guéri? Fallait me tuer, c'était mieux. Non, fallait que je meure. Peut-être que ça allait faire plaisir à certaines personnes. Non. Fallait que je meure. Parce qu'à chaque fois, j'ai fait un truc. On t'a aidé. On t'a permis de te soigner. On t'a permis. Donc, ça va me suivre. Ça va me suivre. Toujours quand je fais un truc. Oui, toi, on t'a aidé. On t'a fait comme ça. Tu as guéri. Même quand je fais une vidéo pour voir moi et guérir un peu les gens. Tu as guéri, hein? Tu as venu faire quoi? C'est pas possible. On est à ce stade qu'on est. Là, quand tu vas devenir comme ça. On ne reconnaît plus le talent. On ne reconnaît plus les vrais acteurs qui veulent vraiment travailler. Pourquoi on attend toujours que ce soit désastreux pour pouvoir réagir? Pourquoi? Cette personne à télé pouvait me recevoir aujourd'hui, je ne serais pas dans cette situation. Je serais en train de gérer mon business, mais je serais en train de faire mes spectacles, mais je serais en train de faire mes clips vidéo, ça passe à la télé, on allait m'appeler pour... C'est tout ce que j'ai demandé. Ça ne me plaît pas de venir toujours parler comme ça, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie d'être une éternelle assistée, je vous jure. Quand tu arrives où tu perds ta dignité, il n'y a plus rien qui reste. Il y a des moments où j'ai pris Dieu, j'ai dit, il faut venir me prendre, c'est mieux. Parce que je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas si tu m'envoies sur cette terre-là, pourquoi. Quand vous ne pouvez pas aider, là, je vous en supplie, ne venez pas tuer les gens. Tu ne peux pas aider, il faut passer ton chemin. Il y a des gens qui sont sensibles, là. Ils savent que c'est que nous, on vit. Ils peuvent aider. Parce que je suis dehors, je me promène comme ça, en direct, je saute derrière dans les rues, je passe seul. Parce que c'est normal. Il a fait un montage. Vous pensez que c'est normal de faire un montage? Ah donc, je suis une actrice alors. Vous savez que je suis une actrice. Hein? Et puis, vous ne m'appelez pas dans vos films. C'est méchant. Pour tout ce que je demande. Je veux travailler. Je suis une battante. Je ne suis pas quelqu'un de flemmard. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui attend toujours de l'aide des gens. Non, je me bats. Chaque jour que Dieu fait, je travaille jusqu'à 2h, 3h du matin. Je dors, je me réveille à 6h, 7h, je suis déjà sur pied. Pour courir, je vais ici, je veux vendre mes articles. Je veux vendre mes habits que je couds. Pour avoir de quoi manger. Parce que je suis dans la maison des gens, je suis obligé de payer, je ne pas rester comme ça. C'est normal si aujourd'hui le monsieur ne veut plus qu'il reste dans sa maison. Est-ce que Manu Joly a besoin d'un manager aujourd'hui? Que l'ancien appelle parce que de nombreux jeunes Ivoiriens... J'ai besoin de quelqu'un qui peut gérer ma carrière. De nombreux jeunes Ivoiriens sont à la recherche d'un emploi. Est-ce que Manu Joly peut garantir un emploi à des jeunes Ivoiriens pour l'aider dans sa carrière si elle s'en sort? Mais bien sûr. Bien sûr. Si quelqu'un s'occupe de ma carrière, que quelqu'un vient m'aider. Parce que je dis, si tu n'as personne pour te booster sur les réseaux ou sur... t'accompagner dans tes travaux, c'est comme si tu tournes en rond. J'ai besoin de quelqu'un qui va vraiment m'aider à booster ma carrière, à m'envoyer de loin, que ce soit un producteur, que ce soit aujourd'hui là, c'est moi mais je me produis. C'est moi mais je me produis. Vous comprenez un peu? J'ai personne, il n'y a pas quelqu'un qui dit bon aujourd'hui tu as fait sortir ton son, viens, déjà, va, je te mets dans un clip, mais je te mets un spectacle en France. Je peux faire tout ça, je peux aller faire des spectacles en France, partout en Afrique. Parce que je sais que quand je fais un spectacle d'humour, de chant, les gens aiment bien. Je ne suis pas nulle. En fait, si j'étais nulle, j'allais dire c'est bon, j'arrête.
Mais si les gens arrivent à me partager mes vidéos qui fait 5 millions de vues, mais c'est que ça veut dire que je suis forte. Ce truc-là, tout ça, ça ne me revient pas. J'ai pensé, je ne sais pas comment on gère ça. Je ne sais pas comment on rémunérerait les vues, mais je ne sais pas. Non, moi, je le fais pour le plaisir. Pour des personnes qui me regardent, qui aiment bien ce que je fais. Quand ils aiment bien finir de rire, là, ils passent. Mais ils ne savent pas qu'à la fin, tu as fait. Ils ne savent pas qu'à la fin, tu dois payer ta maison. Chaque jour, je fais des vidéos. Et si vous avez un mariage, un anniversaire, une cérémonie, je suis là. Voilà les numéros, appelez. Mais ah, ça, qui m'appelle? Je ne sais pas si c'est moi le problème. Ou si c'est pas, je ne sais pas c'est quoi. Mais quand je regarde, il y a beaucoup d'artistes aussi qui vivent ça. Il y a beaucoup d'artistes qui vivent ça. Manu Jolie, merci. Moi, je vais lancer un dernier appel pour dire... On est entre artistes, on est artistes. Nous sommes des sommités. Peut-être que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui vend du rêve. C'est quelqu'un qui donne ce que tu n'as pas chez toi. Si on dit un jour sans musique, sans cinéma, il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir gérer leur journée. Donc, ces personnes qui vous donnent le rire, qui vous donnent le sourire chaque jour, n'attendez pas qu'ils soient en difficulté pour réagir. Quand on dit on fait un film, partagez. Il n'y a aucune vue. Mais tout de suite, on va dire, on a vu une sextape de quelqu'un. Ça va faire des millions de vues. Ça va générer. Donc aujourd'hui, les gens sont obligés de rentrer dans la facilité. Ils sont obligés de rentrer dans la bassesse pour se faire voir sur les réseaux. Nous qui ne voulons pas être comme nous, qui voulons être des exemples. Nous sommes des exemples pour notre jeunesse. Moi, aujourd'hui, il y a des gens qui comptent sur moi. Il y a des gens qui me sollicitent. Maman, on veut faire film. Maman, on veut travailler avec toi. Maman, il faut nous aider. Même dernièrement, j'ai lancé une caravane pour aider des enfants qui sont démunis, qui sont dans la maison, ils sont dans les quartiers précaires, ils n'ont rien. Tanti, pourquoi tu ne vois plus à la télé? Il y a quoi? Tanti, il y a quoi? Tu ne fais plus film. J'ai dit, je vais venir. Mais ce n'est pas moi qui fais film. Je n'ai pas l'argent pour faire film. Film, aujourd'hui, pour faire film, là, c'est des millions. C'est des millions. Je suis obligé de faire des collaborations avec des jeunes talentueux. J'ai des talents qui sont là. Ils n'ont personne pour les aider. Non, moi, vous venez vers moi. Je ne peux rien faire. Je viens à peine de rentrer de maladie. Mais je ne me laisse pas faire. Je ne me décourage pas. Je me bats. Je me lève chaque jour. Je vais courir, vendre mes habits, rentrer ici, vendre CD. Comme ça, au soleil. Pourtant, le médecin m'a dit, arrête, il ne faut pas faire trop d'efforts. Je suis même rentré, allé faire même 2 jours là, j'ai fait sport pour pouvoir encourager les gens. Pour dire, venez faire sport. Là-bas, au moins, là, il y a un manager, ils vont moi, me donner 10 francs. Il dit, ah, j'ai fait votre publicité. Vous allez un peu me tout. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. En cette allure-là, je ne suis pas en train de m'amuser ma vie. Je ne suis pas en train de m'amuser avec ma vie. Ça ne fait pas plaisir chaque jour de venir m'exposer. Ça ne me plaît pas. Depuis 2 ans, je vis ça. Depuis 2 ans, je suis à la traîne. C'est pas normal. Pour une artiste de ma trempe, là, c'est pas normal. Il faut qu'on s'entraide, on se soutienne entre nous. Si tu as un gombo, tu appelles ta soeur, viens, tu as au moins attrapé 5 francs. C'est de ça qu'on parle. Pour ceux qui vont voir ma vidéo, qui peuvent me venir en aide, pour la 1e fois, je vais réunir ça, faire un business. Pouvoir m'en sortir. Investir dans mon film pour pouvoir le vendre. Je fais la couture. À essayer de. Mariam. Pardon, vends-moi mes habits. J'ai présenté. Je fais la couture. Je fais des designs. Je crée des choses. Je demande que juste que vous payiez ce que je fais. Voilà mes créations. Voilà mes créations, je ne suis pas quand même, c'est moi-même qui les couvre, je ne suis pas quand même nulle. Vous voyez ça? Vous voyez? Voilà ce que je couvre comme tenue. J'étais allée présenter ça la dernière fois. Voilà ce que je fais. Ce n'est pas quelqu'un qui est paresseux qui va faire tout ça. Vous pensez que quelqu'un qui est paresseux va se mettre là à coudre? Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Je me bats, je fais tout ce que je peux. Donc ne pensez pas que l'homme va s'amuser à sa vie. Si ça ne sort pas, je fais comment?
je fais comment? Aujourd'hui, ben, j'ai besoin d'un magasin pour pouvoir m'installer. Pour pouvoir coudre au moins les habits. Il y a des gens qui veulent travailler avec moi. Je ne peux pas les embaucher parce que je ne peux pas les payer. Mais au moins, si j'ai un magasin où on entend le produit à chaque fois, eux-mêmes, ils vendent, ils vont boire, au moins avoir quelque chose dessus. C'est tout ce que je demande. Ceux qui peuvent m'aider n'ont qu'à m'aider à m'installer. On ne va pas aller chercher les coupables ou bien les quoi, c'est pas quoi. Mais l'essentiel, là, la solution, c'est quoi? On trouve quelle solution? Moi, je demande aujourd'hui, là, si tous les conseillers ou bien les ministres qui regardent cette vidéo, je vous en supplie, recevez-moi. J'ai des projets, je peux vous présenter, qui peuvent aider notre jeunesse, qui peuvent aider des jeunes à avoir un boulot. Parce que tous ces jeunes, aujourd'hui, traînent dans les fumoirs. Ils sont tellement désespérés, d'autres sont restés à l'extérieur. Aujourd'hui, pourquoi les gens s'exportent à l'extérieur? Ils vont en Europe aller mourir dans l'eau. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir. C'est nous qui sommes les espoirs. Mais nous qui sommes les espoirs, là, on ne peut pas les aider. Donc, nous tous, on est dans l'eau. Nous tous, on est en train de mourir à petit feu. Et ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Moi, je veux une audience avec le président de la République. Si lui m'a reçu, je sais que par lui, là, par beaucoup de problèmes d'assises vont se régler. Aujourd'hui, ils ne veulent pas s'exposer. C'est moi, je suis à la vindique populaire. Je vais assumer. Parce que même dans la Bible, c'est dit, la pierre rejetée sera la principale. Moi, je suis en mission pour certaines personnes. Ma mission, là, Dieu me l'a dit, tu seras vilipendé, tu seras fouetté, on va te marcher dessus. Mais la gloire de Dieu va sortir. La gloire de Dieu, je dis bien la gloire de Dieu parce que il y a Satan puis à Dieu. Mais la gloire de Dieu va se révéler. Aujourd'hui, tout ce que je subis là, je vais assumer. C'est moi qui subis ça, non. Je fais ça pour les autres. Mais un jour, je vais voir le jour. Merci beaucoup. Merci Manu Jolie.